Alors, il s'agit aujourd'hui d'accueillir les nouveaux étudiants mâconnais qui rejoignent notre territoire de façon à leur faire découvrir les atouts de Mâcon, les atouts dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, mais aussi de répondre à leurs interrogations, à leurs besoins d'informations grâce à la présence d'institutions, d'associations qui concernent la vie étudiante et de leur permettre de se rencontrer les uns les autres et de nourrir peut-être des relations pour le futur. Le théâtre Scène Nationale est l'un des lieux emblématiques de notre ville. Les étudiants sont presque ce matin 450, donc il fallait suffisamment d'espace pour pouvoir organiser l'ensemble des ateliers. Pousser les portes du théâtre ce matin, c'est l'occasion de fréquenter l'ensemble des équipements sportifs et culturels de la ville, puisque c'est une vraie richesse et c'est, je l'espère, l'envie d'y revenir pour voir un spectacle, découvrir une exposition ou participer à un débat ou encore à un brunch. Moi qui ne suis pas de Mâcon, ça m'a permis de découvrir plusieurs acteurs de la vie culturelle à Mâcon et ça permet aussi de rencontrer d'autres étudiants. Pour étudier à Mâcon, je pense que c'est une bonne ville car c'est une ville à taille humaine, on se connaît mieux, c'est très convivial et ça permet d'allier la vie scolaire et la vie extrascolaire du coup avec la culture et le sport. Personnellement, j'ai découvert le jazz, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas forcément. C'est une très bonne journée, ça nous permet de développer notre réseau pour le futur. Ça permet de faire des rencontres et de développer notre culture. Slim Shady, I'm sick of him. Look at him walking around, grabbing his you know what, nipping the you know who. Yeah, but he's so cute though. Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Alors le club de Prissé Mâcon a été sollicité par Mâconnais Beaujolais Agglomération pour être le parrain de la promotion 2022-2023. Et pour nous, c'est très important d'être en lien avec notre territoire. On est un club familial. Le SPM, c'est 250 licenciés, deux équipes en championnat de France, de National 2 et de National 3. Et nous aurons plaisir à accueillir ces nouveaux étudiants dans notre salle le samedi soir pour venir voir les matchs, mais aussi pourquoi pas pour pratiquer le basket. Permettre à des étudiants qui découvrent le Mâconnais de participer à des activités culturelles et sportives, c'est leur donner envie ensuite de pratiquer soit une activité culturelle, soit un sport à Mâcon. Et donc de participer davantage à la vie locale, mais aussi peut-être leur donner envie d'y rester, de s'installer chez nous à Mâcon.